Bonjour, mon nom est Gabriel Fortin-Barbier. Je suis le copropriétaire de Atomic Flower Cannabis et ça fait un an qu'on est en business. Un détaillant de cannabis. On vend des produits de cannabis ainsi que des dérivés, des accessoires, des boissons, des bonbons. Ce qui nous distingue, c'est qu'on est bilingue. On est un business qui est local. On fait un effort conscient pour avoir des produits qui sont cultivés ici au Manitoba, des produits locaux. On travaille avec un producteur de Neverville, de Saint-Boniface, de Nipawa. Donc, on essaie de promouvoir aussi les produits faits ici au Manitoba, qui sont aussi des produits de qualité supérieure. On a beaucoup de clients qui viennent ici pour l'information, pour savoir comment faire du beurre, de THC, comment utiliser le cannabis si on n'a pas utilisé pour longtemps ou bien si c'est la première fois. Donc c'est comme un centre d'information aussi. Il faut aussi voir les gens qui reviennent et qui nous disent que ça leur a aidé, que ce soit pour l'anxiété, pour mal à tête, ils sont pas capables de dormir. C'est le fun quand ils reviennent et disent « Oh wow, ça m'a vraiment aidé ». On veut vraiment être, comme que Peter disait, un centre d'information. On a beaucoup de consommateurs qui viennent chercher des produits de CBD pour des raisons thérapeutiques. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de mieux alimenter et informer nos consommateurs sur les bienfaits de ce produit-là. Une autre chose que Atomic Flower Cannabis fait pour redonner à la communauté, c'est qu'on vend des succulents, des petits cactus, qu'on réutilise les pots que les gens nous rapportent. Puis on les vend 5$. On remet tous les profits à la Fondation du Cœur. On est en train de parler aussi avec Tree Canada. On veut planter 420 arbres dans la communauté ici. On aimerait ça que les gens viennent ici puis puissent se sentir qu'eux autres ici redonnent à la communauté en nous supportant. Ça, c'est vraiment notre vision, c'est de pouvoir redonner aux clients puis à la communauté où est-ce qu'on est établi.